Détrompez-vous, je ne suis pas encore malheureux, mais par contre, je réfléchissais à vous. Je réfléchissais à ce que j'allais vous dire dans cette vidéo. Je réfléchissais aux deux précédentes vidéos que je vous ai communiquées, à savoir le parcours des immigrants au Canada et aussi les frustrations que vivent les immigrants une fois arrivés au Canada. Et donc, dans cette portion de vidéo, je vais vous présenter sept choses à savoir pour réussir votre intégration au Canada. Dans un premier temps, ce que vous devez faire, c'est de connaître le Canada dans toute son étendue. Connaître ses 10 provinces, connaître ses 3 territoires et surtout connaître la ville dans laquelle vous allez vous installer. Alors, cela vous permettra d'avoir des décisions éclairées pour votre avenir. La deuxième chose, améliorer vos compétences linguistiques et informatiques en anglais, tout simplement parce que 80% du pays, c'est-à-dire 80% des Canadiens parlent anglais. Et si vous voulez vous démarquer, il va falloir être bilingue. Et puis connaître l'informatique. Parce que de nos jours, il n'y a pas un seul boulot où on ne travaille pas avec l'outil informatique. La troisième chose, envisager le retour aux études. Très souvent, quand on arrive ici avec nos diplômes, les employeurs canadiens ne les reconnaissent pas. Ou tout simplement, il y a des connotations différentes. Et en rentrant aux études, vous avez des fortes chances de vous démarquer sur le marché de l'emploi. La quatrième chose, construisez votre réseau et établissez des contacts de qualité. Ça peut être au lieu de service, à votre boulot, à votre école, à une sortie, au 5 à 7, à un événement, etc. Établissez des contacts sûrs et de bonne qualité. Ne restez pas seulement en groupe ou en communauté, allez vers d'autres communautés. Apprenez à connaître les autres. C'est comme ça que vous pourrez vous démarquer dans la société. La cinquième chose, économisez et construisez votre historique de crédit. C'est normal, la plupart des immigrants, quand ils arrivent, ils ont des ressources financières limitées dans leur pays d'origine. Et donc, face à cette facilité à pouvoir octroyer un certain nombre de crédits, ils sont souvent sujets à des dépenses volumineuses et farfelues. Et très souvent, se retrouvent rapidement endettés. Donc, pensez-y, économisez et construisez votre historique de crédit parce que lors de l'achat de votre maison, de votre première maison, ou encore dans certains investissements, vous serez crédible auprès des banques. En ce moment, vous serez éligible. La sixième chose, utilisez les programmes gouvernementaux pour les nouveaux immigrants. Il y en a plein, il y en a tellement. Il y a la solidarité aux immigrants, il y a des bourses, il y a des prêts aux immigrants. Donc, n'hésitez pas à aller vers ces subventions parce que quand vous arrivez, c'est les tout premiers prêts qui peuvent vous permettre de marquer le pas dans la société canadienne. Parce que très souvent, quand on arrive, on a tout dépensé dans nos pays d'origine. Et lorsqu'on arrive ici, on sait qu'on a de l'aide. Ça peut déjà nous aider à embrasser les premières années de notre intégration. La septième chose, obtenir de l'expérience de travail canadienne. Ça, c'est incontournable. Quel qu'en soit le type de boulot, obtenez votre première expérience canadienne. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsque vous allez déposer votre CV avec les expériences obtenues dans votre pays d'origine, beaucoup d'employeurs canadiens vont vous rejeter parce que ils ne seront pas confiants de votre expérience ou de votre expertise. Il n'y a pas de garant, il n'y a pas de référence qui puisse attester que vous maîtrisez ce domaine de compétences. Très souvent, c'est ce que les employeurs recherchent. Ce n'est pas toujours vos qualifications ou bien vos expériences de 20, 30 années de bac plus 10, mais c'est juste l'attitude. Et donc, ne vous bloquez pas. Allez vers des petits boulots si jamais vous ne trouvez pas d'emploi dans votre domaine afin que dans ces petits boulots, vous puissiez vous démarquer pour pouvoir, dans votre CV, mettre une expérience canadienne et surtout mettre des personnes qui vous auront vu, assisté et qui pourront attester que vous êtes le bon candidat. Alors, c'était là les 7 choses que je voulais vous partager pour votre intégration au Canada. Si vous regardez très bien la liste que je viens de vous partager, vous allez vous rendre compte que c'est indispensable d'avoir ne serait-ce qu'au moins la note de 6 ou 7 pour sentir que vous embrassez bien le sol canadien. Sur ce, si vous avez trouvé utile ces conseils, n'hésitez pas de mettre un pouce, de vous abonner et de partager la vidéo. Et j'attends d'autres commentaires sous la vidéo si jamais vous avez d'autres conseils qui pourront aider d'autres nouveaux arrivants à pouvoir s'intégrer sur le sol canadien. Sur ce, comme toujours, on se dit bonne intégration. Je vous aime.